Pour moi, l'Ardèche, c'est une espèce de pluralité, parce que vous avez aussi bien de l'industriel que de la ruralité, que du sauvage. Je suis Maxime Angelucci, j'ai 46 ans et je suis dirigeant de l'entreprise Natural Origins en Ardèche, à Soyon. Natural Origins, c'est une entreprise qui fait des ingrédients à base de plantes, qui travaille les plantes médicinales et aromatiques qui vont aller vers l'industrie agroalimentaire. Vous allez les retrouver aussi bien dans des energy drinks, mais aussi dans des grands spiritueux. Donc vous allez vraiment retrouver ces plantes comme base aromatique dans beaucoup des produits du quotidien. Je suis en Ardèche depuis 4 ans et l'élément déclencheur, c'est une opportunité. L'entreprise était initialement basée sur Lyon et on a voulu à cette époque faire une extension de cette usine et il y avait une opportunité de venir faire une construction sur Soyon. On a eu un excellent accueil par la mairie, la communauté de communes. Alors, mon installation en Ardèche s'est passée très bien. J'avais besoin d'un équilibre entre la vie trépidante de chef d'entreprise et une assise vers en fait une ruralité dynamique, une ville qui est pas très loin. Pouvoir faire toutes mes activités sportives, parce que je suis très nature dans mes activités. Quand je cours par exemple sur la colline de Crussol, bah, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on part de Saint-Péray, on est en ville. On a une bonne montée, c'est toujours de bonnes montées en Ardèche. Et puis après, vous arrivez, vous avez une magnifique vue sur le Vercors, sur la vallée du Rhône. Et puis après, vous allez plonger dans les forêts où de temps en temps, si vous courez tard le soir, vous tombez sur des animaux. Si on aime le bien manger et le bien boire, alors l'Ardèche, c'est assez fantastique. C'est vraiment l'association des mets et des vins locaux qui est géniale. Et il y a des très très bons restaurateurs. Ici plus qu'ailleurs, j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'équilibre entre le dynamisme et de l'entrepreneuriat et de la connexion au monde de l'entreprise et cette ruralité que moi j'aime, la connexion à mon territoire. Pour moi, l'Ardèche, c'est le cadre de vie idéal.